Salut les Vermines, alors aujourd'hui je me trouve dans ma baignoire avec une jeune femme que je n'ai jamais reçue, c'est une grande première, Barbara. Euh, Comment vas-tu Ça va très bien, enfin j'ai beaucoup de choses à dire mais ça va très bien. Oui je me doute, alors c'est vrai qu'il se passe énormément de choses pour le coup euh, dans les épisodes. Je pense que tu vas régler euh, tes comptes et surtout euh, bah, balancer tout ce que tu as à balancer. Euh, Est-ce que tu es prête, mais cette fois-ci à dire toute la vérité, à ne pas faire dans la langue de bois parce que c'est vrai que sur le Mad Mag et compagnie on peut pas dire grand-chose. Ici, je veux que tout soit dit. Tout sera dit, t'inquiète pas, j'ai beaucoup de choses à dire et je suis un peu choquée des images, donc j'ai hâte de pouvoir parler. C'est parti, je suis prête à remettre toutes les pendules à l'heure et je dirai rien que la vérité et que la vérité. Bon, eh bien, très bien, toutes les pendules vont être mises à l'heure et ça tombe bien, on n'attendait que ça. Mais alors, qu'est-ce qui se passe Comment ça, qu'est-ce qui se passe bah, Je sais pas, on n'a pas trop compris là ce retour dans les anges. Euh, tu as fait, je crois, l'émission il y a deux ans. Tu as été quand même assez discrète euh, par la suite, et puis tout à coup, Madame redébarque comme un cheveu sur la soupe ou un poil plus bien dans les épinards. <laughs> on n'a pas trop compris. Alors du coup, moi je suis revenue pour l'hymne, on m'a proposé de, de coacher les anges, donc c'était avec plaisir. Après, c'est vrai que j'avais des comptes à régler, donc forcément, il y a eu du clash et, euh, et les gens euh, n'ont pas été déçus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux années Tu étais très discrète, en même temps, il y a eu <laughs> pas mal de scandales. Hein euh, mais c'est vrai que voilà, tu étais plutôt euh, absente, hein tu n'as pas euh, spécialement fait parler de toi. Tu étais où bah, J'ai fait beaucoup de concerts privés, en événementiel. Quoi, des concerts privés Bah oui, des concerts privés. J'espère que c'est pas des prestations d'escorting, hein. Ah non, moi je fais pas ça, non. Oui, parce que bon, <laughs> c'est vrai que les concerts privés, les soirées à Cannes, on se méfie toujours. Donc tu chantais. Oui, le seul organe que j'utilise, c'est ma voix. Oh oui, bah Dieu merci, hein, parce qu'il y en a d'autres qui l'utilisent, mais différemment, hein, leur organe. Donc du coup, voilà. Alors ce single, on va en reparler. J'aimerais bien d'ailleurs le petit refrain, là. Est-ce que tu peux nous l'interpréter je sais plus ce que c'était, mais j'adorais, je l'écoutais super souvent. C'est vrai ouais. Ah ouais bah Après, je n'ai plus de voix, mais euh, ça fait Crazy Night, J'ai plus de voix. Bon, <laughs> allez, au revoir Bon, c'est pas grave, en tout cas, c'était ton ancien single. Euh, alors, est-ce que tu es contente du succès à l'époque euh, C'est vrai que du coup, il y a eu ce single, et puis après, on n'a plus trop entendu d'autres titres. Ça s'est arrêté net. Euh, c'est pour ça que je me pose des questions. J'ai bien cru que tu étais morte, hein, moi, à un moment donné. Euh, mais bon. Non, en fait, je pas été morte. Je me suis juste consacrée à ma carrière professionnelle qui était dans l'événementiel et j'ai moins fait de single. Ouais. Bon, bah écoute, c'est pas grave. En tout cas, tu es revenue pour retrouver Raphaël hein, dans Les Anges. Alors, c'est vrai qu'il va falloir m'expliquer beaucoup de choses euh, parce qu'on n'a pas trop compris la réaction de Raphaël. Euh, au moment où tu pénètres dans la villa, Raphaël s'enfuit, part en courant. À ton avis, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là Raphaël, c'est vrai qu'il a pété les plombs quand il m'a vu. Euh, moi, j'ai même pas pu lui dire bonjour, j'ai même pas pu m'expliquer avec lui. Ah oui, t'as pas eu le temps, hein, il a fait un moonwalk. Ah oui, il a, fait, il a fait un moonwalk, mais en mode sprint, quoi. Et du coup, j'ai pas pu, vraiment pas pu avoir une discussion avec lui. Et c'est vrai qu'apparemment, il, euh, il a mis un peu à l'envers à la production. Donc, euh, tout le monde était choqué. Ils sont partis en course poursuite, ils l'ont trouvé, mais ils partaient en courant. Enfin, ils voulaient pas avoir vraiment de, de, de compte à rendre à personne. La production a essayé de, bah, de faire des interviews, il n'a pas voulu. Je pense que Raphaël l'avait clairement peur de la discussion qu'on puisse avoir ensemble devant les caméras dans le sens où on s'est revu et qu'on s'est embrassé alors que moi je pensais qu'il était célibataire et qu'en fait lui il était avec Coralie. Je pense qu'il avait peur qu'on parle de ça clairement et c'est pour ça qu'il a fui, ça c'est sûr. Ah, donc il s'est barré par l'acheter Je pense qu'il s'est barré par l'acheter, ouais, moi c'est sûr. Il a vraiment fui ses responsabilités, je pensais que ça allait être un homme et qu'il allait euh, poser voilà, c'est euh c'est c'est bijou de famille qu'il allait dire bon bah ok <laughs> non mais c'est vrai tu vois ce que je veux dire un homme quoi ben bah, en fait il a fui comme un lâche et puis bon bah en même temps c'est Raphaël quoi on s'est revus une fois en décembre et, et moi je pensais pas qu'il était avec Coralie donc on s'est revus sachant que pour moi elle était célibataire et quand il m'a dit qu'il était avec Coralie j'ai coupé les ponts oui mais sauf qu'avant qu'ils te disent qu'il était avec Coralie vous vous êtes roulé des patins oui, mais ça c'était avant de savoir, sinon je ne l'aurais pas fait. C'est vrai que Raphaël, ça a été une relation un peu compliquée, je t'aime moi non plus, euh, à se lancer des pics, chacun son tour. Euh, C'est quelqu'un que j'ai vraiment, euh, que ai vraiment aimé et que j'affectionne. Ah, tu euh, avais des sentiments pour lui Bien sûr, bah, sinon je ne je serais jamais sortie avec lui. Moi je, je, suis, moi, je suis dans l'intériorité, je suis sincère, je suis, je suis comme je suis dans la vraie vie. Et donc, vous vous êtes revus à plusieurs reprises après votre rupture. Donc, ce fameux soir où il t'a qu'il était encore avec Coralie après t'avoir embrassé, j'imagine que tu t'es sentie bien conne. En même temps, ce n'est pas la première fois, parce que lui, c'est quand même un peu le roi de te faire passer pour une conne. Hein. Mais bon. C'est sûr, je me suis un peu retrouvée ben, ben, le dindon de la farce. quoi. Je me suis sentie un peu conne. Et du... La dinde à fourrer. Euh, non, pas à fourrer. <rire> <rire> Mais du coup, ouais, je me suis sentie conne et j'ai supprimé son numéro à partir de ce moment-là. Oui, enfin bon, euh, ça ne l'empêchait pas de t'appeler euh, Puisque Voilà, alors en masqué, c'est quoi ces histoires Est-ce que régulièrement, pendant qu'il était avec Coralie, il te contactait Du coup, ouais, au début de l'année, il m'a contacté plusieurs fois en masqué. Moi, j'ai décroché parce que je ne je, enfin, je savais pas que c'était lui. Et puis, il prenait mes nouvelles et voulait savoir comment j'allais, si je faisais la villa ou pas, si, euh, si j'allais faire un programme de réalité, si... Est-ce que j'étais sur Paris pour qu'on se voit J'ai diffusé sur mon site. Euh, une bande audio, hein, il faut bien le dire, une bande audio où il manifestait clairement son envie de te voir, il te demandait si tu étais à l'hôtel, si tu étais toute seule, etc. Ça remonte à quand ça Et surtout, la question qu'on se pose, c'est pourquoi tu as enregistré cette conversation Alors, ça remonte à février quand j'étais au Melty Future Awards. Et donc, du coup, j'ai mis un snap euh, alors que j'étais sur Paris. Donc, du coup, il m'appelle et me dit. Euh, T'es sur Paris, mais pas tu m'appelles parce qu'il a vu mon snap. Et en fait, euh, je... Donc là, il était avec Coralie. Il était avec Coralie, mais enfin euh, moi après je savais pas parce que j'ai pas envie de savoir en fait sa vie. Oui toi tu sais jamais rien. <rire> <rire> non mais c'est vrai après moi j'ai pas envie de savoir sa vie. Enfin il... voilà j'ai tourné la page, je suis passée à autre chose. Mais après euh, c'est vrai que quand j'ai vu l'appel masqué et que je sais qu'il m'appelle en appel masqué, je me suis dit c'est lui. Et j'étais avec ma sœur à ce moment-là euh, dans, dans la pièce et puis ma sœur elle me dit attends c'est un appel masqué. Et c'est sûrement Raphaël, tu sais quoi Moi j'enregistre la conversation pour te donner une sécurité, tu vois. Dans le sens où... Euh... Une sécurité de quoi Parce que si jamais un jour ça sort parce que tout finit par se savoir, moi je vais passer encore pour la présence de couple alors que j'ai rien fait. Donc ma soeur, pour me protéger, elle m'a dit, tu sais quoi, j'enregistre la conversation. Et euh, en fait, elle a bien fait parce qu'au final, j'ai dû me justifier et j'ai dû envoyer la conversation pour prouver que c'était pas moi qui cherchais les emmerdes mais lui. Quand j'ai annoncé au Mad Max qu'il prenait mes nouvelles, personne m'a cru et tout le monde m'a fait passer pour la briseuse de couple. Et avec cet enregistrement, les gens se sont rendus compte que ben, moi, je n'ai pas cherché les embrouilles, c'est lui qui venait me, me voir et me et me chercher. Donc au moins c'est clair. On va se la jouer transparent. Cette note audio je te l'ai donc demandée parce que je savais que tu l'avais. Tu me l'as envoyée. Tu es consciente comme l'envoyant après que j'ai fait un article. Tu as foutu la merde. Et que tu as quand même été à l'origine de la rupture de Raphaël et Coralie. Je suis pas à l'origine de la rupture. Oh bah excuse-moi, si Mais ok, j'ai foutu la merde en lançant la note audio, mais en même temps, le seul responsable de la rupture, c'est Raphaël, quand même. Après, oui, la note audio... Elle prouve les choses par a plus b, mais en même temps, euh, heureusement qu'elle était là, ça nous parce que sinon je serais passée pour une vraie connasse et puis Raphaël pour le sauveur qui n'a jamais rien fait. Si euh, si Raphaël a trompé Coralie, c'est pas de ma faute parce que que ce soit avec moi ou avec une autre fille, l'aurait fait dans tous les cas. Bon, bah en tout cas, t'as bien foutu la merde. Hein, Aujourd'hui, ils ne sont absolument euh, plus en couple et finalement, sa petite fuite n'a servi à rien puisque le scandale a fini par éclater. La vérité finit toujours par se savoir. La, la vérité surtout finit toujours par éclabousser. Euh, Aujourd'hui, si ça s'était passé différemment dans les anges et que Raphaël, par exemple, était resté quand tu étais encore là, est-ce que tu aurais pu te remettre avec Est-ce que tu aurais eu de nouveau envie de lui pas du tout! Arrête! Oh, non, non, moi aujourd'hui j'ai vraiment envie de me poser, j'ai plus envie de m'amuser. C'est vrai qu'avec Raphaël, ça a été un coup de foudre. Maintenant, j'ai envie vraiment de trouver quelqu'un de stable avec qui me poser. Et Raphaël, c'est pas du tout le genre de mec avec... avec qui je pourrais. quoi. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il n'est pas indépendant, il vit toujours chez ses parents, sa mère elle, elle fait toujours... elle lui fait toujours son linge. Enfin, moi j'ai besoin d'un mec qui sait où il va et pas qui place des sous dans sa Rolex et pas dans son PEL, tu vois. Oh, je meurs <laughs> c'est vrai j'ai envie d'un mec qui voilà qui a les épaules rassurantes tu vois pas un mec qui fait n'importe quoi j'ai vraiment besoin de me poser aujourd'hui puisqu'on parle de raphaël forcément on va parler d'un dossier brûlant euh, j'aimerais bien connaître la vérité sur cette histoire une bonne fois pour toutes puisque quand euh, tu étais avec raphaël ou que tu avais tout juste rompu bref tu lui as quand même fait un sacré coup de pute en te tapant son meilleur ami vincent alors ça a fait des étincelles, hein. euh, c'est vrai que c'est quand même dur ce qui s'est passé. J'aimerais bien que tu nous expliques. Alors il faut savoir que dans les anges 7, Raphaël m'a trompé avec Jessica. Oui, oh, je m'en souviens, j'avais dévoilé l'exclus, effectivement, voilà. il avait couché avec Jessica pendant que tu étais en couple avec lui. Voilà, et ensuite il est sorti avec Anaïs. Tout ça dans la même saison. Ah ouais. Et c'est vrai que je me suis sentie très seule, je me suis sentie vraiment mal. Et Vincent, il était là dans les anges 7. Et il était là pour me réconforter le soir, pour m'apporter pour du soutien. Ah bah pour... oui, je me doute. Bon, non, mais sans, sans, sans rien. Hein. Juste, il était là... Euh, sans rien au début. Au début. Après, il a été assez insistant. Moi, je n'ai pas voulu aller plus loin avec lui et puis quand j'ai appris tout ça qu'il m'avait trop avec Jessica et ça a été trop pour moi et je me suis dit ben en fait pourquoi tu te pourquoi tu te prives de sortir avec quelqu'un qui te plaît alors que ce mec là Raphaël ben, il t'a fait deux coups à l'envers donc je me suis dit bah ben pourquoi pas sortir avec Vincent et c'est ce que j'ai fait et au final bon ben Vincent il l'a fait à l'envers aussi mais euh... oui alors au final effectivement tu t'es donc euh, bon mise en couple c'était peut-être un, un grand mot mais tu as flirté avec Vincent et tout ce qui s'ensuit. Euh, et puis, un soir en dormant, tu t'es rendu compte que lui aussi t'avait prise pour une conne. Un jour, euh, j'ai surpris une conversation euh, nocturne où il disait, euh, Toi aussi tu me manques, mais euh, je ne peux pas te parler pour l'instant, je suis occupé J'ai fait semblant de, de dormir et de ne pas avoir entendu la conversation. Le lendemain, je l'ai ramené à la gare euh, comme si de rien n'était. Puis, à ce moment-là, j'ai arrêté la voiture et je lui ai dit, Tu sais quoi, tu descends, je te revois jamais. Parce que voilà, j'avais surpris la conversation, je voulais faire genre que. Alors, cette candidate, tu sais qui c'était à qui il parlait Alors, je sais pas vraiment à qui c'était. Eh bien, moi je sais, c'était Julia Flaba. Voilà. <laughs> ok. Voilà. Je faire balancer une candidate un peu oubliée, hein, Mais euh, <laughs> voilà qu'il draguait, qu'il avait d'ailleurs embrassé au Queen. Euh, oui, j'avoue que là, euh, bon, c'était quand même moyen d'entendre ça. Vous aviez un nom de code, hein, euh, comme quoi c'était quand même un petit peu prémédité, parce que dans vos portables, vous étiez toi et Vincent enregistrés à des noms euh, particuliers pour que personne ne sache que vous communiquiez. Bah, c'est Vincent qui voulait, parce que moi j'étais prête à assumer euh, la relation avec Vincent. C'est lui qui voulait pas le dire par rapport à Raphaël et qui voulait mmh. mettre un nom de code pour pas. À se faire griller sur les portables, c'est tout. Donc ce nom de code c'était Tigre. Alors pourquoi tigre Pff, Je sais même pas, c'est parce qu'il avait posté un, une photo sur Instagram avec un tigre en disant euh, je sais plus quoi. Il avait mis un, un commentaire et puis c'était parti de ça. Un message subliminal Ouais, un petit peu, ouais. Donc tu étais sa tigresse. <laughs> ouais, bah, c'est un peu, un peu résumé, ouais, bah, ouais c ça. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Vincent Est-ce que vous en avez rediscuté Est-ce que le couvert a été remis Depuis le jour où j'ai largué, j'ai pas de nouvelles. <laughs> Alors, tu ne l'as pas croisé dans les anges cette année. En revanche, tu as croisé Sarah. Oui, j'ai croisé Sarah, d'ailleurs c'est pas ma copine. Ah ben, je me doute, alors comment elle a pris ton arrivée euh, Comment ça s'est passé entre vous J'imagine qu'elle est au courant de toutes ces histoires. Ah oui, et du coup ça a été très glacial, ouais. Ça a été ultra glacial avec Sarah, elle m'a pris en grippe dès le départ. Enfin bref, tous ces candidats de c'est quand même, excuse-moi, beaucoup moins glamour qu'Enrique Iglesias. <laughs> tu as donc foutu un râteau à Enrique Iglesias. Ouais. J'avoue ne pas trop comprendre là le délire. Raconte-nous comment en 2017, en 2016, en 2015, je ne sais pas quand c'était. On... En 2009. En 2009, 2009. comment peut-on foutre, quand on est un, un minimum bien constitué, un râteau à Enrique Iglesias J'étais en couple et très amoureuse, donc j'allais bah, pas. ça suffit pas, merde. Enrique et Iglesias, quoi. Oui, mais quand je suis amoureuse, je suis fidèle. Tu vois, c'est bah, c'est peut-être rare aujourd'hui, mais c'est le cas pour moi. Sur scène, c'est vrai qu'il a été très tactile et euh, il a essayé de m'embrasser à un moment donné. Et moi, j'ai reculé la tête parce que je, je pensais à mon mec à ce moment-là et je me suis dit, j'ai peur que mon mec il soit déçu. Oh, mais t'es sacrément conne Est-ce que t'es encore avec ce mec aujourd'hui Non. Donc, tu vois, t'aurais bien fait. Ouais, mais je suis très fière de moi parce que j'ai des valeurs et mes parents m'ont inculqué des valeurs dont je suis fière. Bon, bah écoute, très bien. Alors, on va parler justement de people un peu plus high level, euh, puisqu'avant ce bain, nous avons longuement discuté, et je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Euh, je crois savoir qu'il y a quelque temps, tu as été draguée par Kenji. Oh, voilà, il m'a dragouillé il m'a dragouillé. Ah oh, bah... Euh... Mais c'était, voilà, c'était dans une soirée où je travaillais. Euh, raconte Non, mais en fait je l'ai même pas reconnu le pauvre. Oh, Comment ça non, mais il m'a draguillée, on a commencé à discuter, et puis je lui ai demandé son prénom, il m'a répondu Kenji, j'étais très très mal. Oh, <laughs> j'ai Mais comment c'est possible de ne pas le reconnaître Bah, sur le coup, il était en casquette, t-shirt et tout, tu vois, en mode... <laughs> il était en mode très simple, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié, parce que, voilà, en fait, je ne l'ai pas reconnu, mais... mais vraiment un mec très simple, mais par contre, il est trop jeune, donc ça s'arrêtera là. Mais tu n'as pas donné suite Non. Bah non, 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 non il est trop jeune, il a 21 ans. Mais il est par contre, il est très, très beau gosse. ah, ah Oui, c'est sûr. Bon, il fait à peu près ta taille, hein. il n'est pas très grand. Mais euh, <laughs> franchement, entre Raphaël, Vincent et Kenji, le choix est tout de même très vite fait. Oui, le choix est vite fait si on regarde comme ça, au niveau euh, beau gosse attitude. Mais après, j'ai envie de me poser avec un mec vraiment mature et, et qui, qui, qui a envie de se poser. Quoi. Et mais alors voilà. raconte, il t'a dit quoi Ça s'est passé comment <laughs> bah, J'étais sur mon lieu de travail à Saint-Tropez. <laughs> j'ai pas envie d'en parler. Ah, oh, c'est pas grave. Écoute, moi, je veux savoir. Il m'a demandé de pas en parler. Oui, bah écoute, avec Jérém Star, on parle de tout. Merci, au revoir. Oh là là. Non, enfin, du coup, il m'a trouvé très jolie. On a commencé à sympathiser. Comment ça, enfin, trouvé très jolie C'est à dire, ça s'est manifesté comment Mais j'allais aux toilettes et puis il m'a croisée. Il m'a retenu. Il m'a dit que c'était très joli. Donc ça peut aller très vite <laughs> bah oui mais non en fait non mais du coup on a commencé à sympathiser il voulait mon numéro de téléphone et moi je lui ai demandé en fait je veux bien ton numéro de téléphone mais d'abord je veux savoir comment tu t'appelles et voilà mais enfin excuse-moi là si on devait quand même te décerner un prix ça serait quand même le, enfin, le prix de la plus grosse bouffonne de 2017 qu'est-ce que tu pars t'afficher dans les anges alors que tu pourrais te mettre en couple avec Kenji Qu'est-ce que tu retournes remuer la merde avec Raphaël dans Les Anges alors que tu pourrais dormir avec Kenji Mais je n'ai pas envie de dormir avec Kenji. Moi, je veux quelqu'un pour une vie. Je veux pas quelqu'un pour une nuit. Mais vous êtes encore en contact bah, J'ai son numéro de téléphone, mais, oh mais non, non, non. Salope Il faut absolument me l'envoyer. <laughs> oh non, il va me tuer, c'est ça le pauvre. Oh mon Dieu. Bon, encore, j'ai envie de te dire si Kenji était le seul... <laughs> Mais ça n'est pas le seul, puisque d'après mes informations, il y a également eu Olivier Dion. Oh non, mon Dieu! Écoute, Olivier Dion, alors cette fois, ça a été beaucoup plus loin euh, que ma foi, euh, on va non, dire, non, un petit non, câlin. On va penser qu'il s'est passé plus... Non, bien. mais je veux dire, ça a été beaucoup plus loin qu'un petit câlin euh, avant les toilettes, puisque vous vous êtes <laughs> <laughs> embrassé. Comment oses-tu ouvrir le gosier devant le mec de ma vie? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, bah moi je sais très bien. Vous vous êtes embrassé avec Olivier Dion. Je ne sais pas de quoi tu parles. Merci d'assumer. <laughs> je croyais que tu tout. Non, mais voilà, ça s'arrêtait un bisou. C'est tout. Mais où bah, euh, Un soir à Jean-Lépin. Euh... Oh Décidément, entre Saint-Tropez et Juan-les-Pins, <laughs> moi je crois que je vais déménager. S'en passe des <laughs> choses là-bas. Bah viens, viens. <laughs> Alors, un bisou et rien d'autre. Oui, rien d'autre, parce que pareil, il est jeune. C'est quelqu'un avec qui tu veux pas te poser. Mais quel gâchis. Mais non, mais moi j'ai vraiment envie de trouver quelqu'un de stable et qui a envie de se poser avec moi. Bah, et... Peut-être que ça serait le cas. Non, je pense pas. C'est genre de garçon qui veut s'amuser. Alors, si tu devais choisir, là, maintenant, tout de suite, entre Kenji et Olivier Dion, tu prendrais lequel Allez, hop, on réfléchit pas, go Je sais pas, aucun des deux. Oh bah si, 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 faut choisir Physiquement parlant, Kenji plutôt. Oh, J'ai <laughs> Je sens que ça va pas tarder de se faire. <laughs> pas du tout non, mais franchement, moi, je comprends pas trop ce comportement comme ça. Ils sont trop jeunes. Enfin, on s'en fout. Vite ta jeunesse. Profite. Enjoy, minimal. <laughs> bon, euh, bah, écoute, on sait tout. Au moins, euh, voilà, il y a des relations. Euh... <laughs> On va dire extra télé-réalité. Euh, en tout cas, euh, bon, je pense qu'on va sûrement euh, pas te juger, mais se dire décidément, beaucoup de mecs lui tournent autour. Euh, C'est ce qui t'a un petit peu posé problème dans les anges. Tu as eu une intégration très difficile, euh, ma foi, pour parler sans détour. Beaucoup de filles euh, étaient un petit peu jalouses de toi quand tu es et te prenaient pour une allumeuse, une fille facile. Alors, c'est vrai que je suis très gentille et que je suis très sociable et que du coup, ça peut être pris pour de la drague ou pour de la séduction, alors que je suis comme ça avec les garçons et avec les filles, en fait. Mais, euh, mais c'est vrai que les filles m'ont beaucoup jalousé pour ça et euh, c'est parce qu'elles m'ont jugée trop vite. Maintenant, euh, bon, c'est pas des anges non plus, quoi, à part de la théorité. Ah, bah oui, c'est vrai que les filles qui le jugent, bon, euh, c'est pas non plus les filles les plus classes et les plus respectables qu'il existe sur cette planète. Ça, c'est sûr. Et quand on me reprojecte tactile, ça me fait rire parce qu'elles sont toutes beaucoup plus tactiles que moi. Enfin, s'il y a bien une personne qui est timide et qui est réservée et qui est vachement introvertie, c'est bien moi. Quand je vois les images, c'est vrai que je suis choquée et euh, je, me, je me rendais pas compte à quel point ça pouvait aller aussi loin. Euh, maintenant, euh, voilà, moi, je, je, ça me fait bien rire et je vois ça et puis je, je regarde ça d'un œil un peu hautain. <laughs> autant carrément Bah oui parce que voilà c'est de la jalousie en fait c'est juste que ben bah, elles ont peut-être peur de moi donc euh, en fait je me dis bon bah ça flatte l'ego finalement On t'a déjà dit que tu ressemblais à Mélanie de Secret Story mais c'est incroyable c'est la même tête hein. On m'a déjà dit mais euh, <laughs> j'aime pas trop <laughs> Ah bon pourquoi parce que c'était pas ma préférée dans Secret Story ouais, mais Elle est quand même jolie ça va Ah ouais elle est très jolie par contre oui. Vous avez la même tête je te jure Le grain de beauté, les yeux, ce regard un petit peu de De fille perdue <laughs> Ah bah merci c'est gentil Non mais c'est vrai tu lui ressembles énormément je trouve D'accord bon ben merci Parce que c'est quand même un compliment Ouais, ça dépend comment on l'interprète, hein. mais bon. En tout cas, voilà, une intégration assez difficile. Euh, tu as même, à un moment donné, songé à tout plaquer, à quitter l'aventure. C'est vrai que quand Alban est parti, j'avais envie de partir aussi, parce que je me suis demandé ce que je foutais là. Tu vois. On s'est tous demandé hein, ce que tu foutais là. Voilà, et du coup, c'est vrai que je me suis dit, mais sans mon pilier, sans, sans quelqu'un de normal, comment je vais faire pour tenir dans la vie là, quoi j'ai été exclue, les filles elles étaient un peu toutes contre moi à part Rania et Luna les premiers jours mais en fait on m'a reproché d'être tactile avec les garçons, d'être séductrice avec les garçons mais à quel moment j'ai été séductrice Enfin j'ai été j'ai été normale, j'ai même fait attention parce que je savais qu'avec le départ de Raphaël et... et tout ce que ça impliquait derrière, il fallait pas que que je fasse d'autres bourdes et que je sois discrète. Donc à quel moment j'ai fait une erreur que j'ai enfin j'ai pas compris en fait, tout le monde était contre moi, j'ai vraiment pas compris. Elles étaient persuadées que voilà, tu étais la chaudasse qui allait briser tous les couples et totalement tout le monde. C'est un peu ça, c'est vraiment euh, le, 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 le ressenti que j'ai eu sur le moment et en fait j'ai pas compris pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait pour leur faire comprendre ça parce que pas du tout. Raoul a été euh, la première finalement à te foutre un petit peu dans la merde en balançant tout ce qui s'était passé avec Jordan, avec Karl. Euh, c'est vrai que Raoul a pas mal euh, attisé la haine hein, des autres euh, candidats. Euh, Est-ce que tu lui en veux et comment tu l'as pris sur le moment Sur le moment, j'étais vraiment vénère. Je me suis, franchement, j'ai voulu tout plaquer pour arrêter parce que je me suis dit mais ça part dans des proportions énormes alors qu'il n'y a rien du tout. Bah tu as quand même failli te taper son mec Thomas. Mais pas du tout. On a fait une séance de sport. C'est le seul mec qui m'intégrait avec Shogun. Oui, enfin vous étiez quand même bon, très très complice Bah complice mais genre comme un pote qui m'intègre. Moi j'avais que les garçons qui m'intégraient dans la villa. Imagine-toi. Enfin c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais Alors je reste dans mon coin toute seule parce que les les filles, ne veulent pas me parler. À un moment donné, si les mecs, ils me parlent, bah, je parle avec les garçons. C'est pas parce que je parle avec un garçon qu'il va se passer quelque chose et, et c'est pas parce que je fais une séance de sport qu'il va se passer quelque chose. Après, si Thomas il avait quelque chose d'une arrière-pensée, bah c'est pas ma faute. Euh, si Raúl elle n'arrivait pas à tenir son mec, maintenant je pense que Thomas c'était pas non plus, euh, il n'y avait pas d'arrière-pensée non plus de la part de Thomas. Raúl a également balancé donc euh, après donc Thomas a balancé que euh, Jordan euh, t'avait donné à manger à la bouche ou fait boire à la paille, je sais plus quoi, d'en donner des cornflakes et que Karl t'avait dragué, que tu l'avais allumé, en gros euh, Raúl a balancé à tout le monde en gros euh, que tu chauffais. Tout le monde. Alors, on est rentré de soirée, où on avait bu, donc forcément, bah, quand on rentre de soirée à 2h du matin, bah, on a faim, donc on a mangé ce qu'il y avait dans le frigo et voilà. Ah, on a euh, faim, bah bon, pas que ce qu'il y a Bakuska dans le frigo, hein. Ah non, on a faim que de nourriture. On rentre à 2h du matin, on a envie de manger, donc du coup après, ben bah, il m'a mis une cuillère dans la bouche. Bon, il a rien de, y a rien de sexy, quoi. C'est juste genre, oh, tu veux manger, mes, tu veux goûter mes céréales, voilà, c'est tout. <laughs> mais, euh, mais et pour Karl, Karl, c'est lui qui a commencé à me dire, voilà, t'es mignonne. Il m'a dit un truc dans le genre. Si j'avais su que t'arrivais dans les anges, je, je me serais jamais mis en couple avec Mélanie. Ce à quoi j'ai répondu, mais toi t'es en couple, calme-toi. Et il m'a répondu, je suis pas jaloux. Et ça m'a encore retombé sur la gueule. Alors à un moment donné, je peux pas faire mieux que, que, que ça. À un moment donné, je peux pas. Tu as encore été à l'origine d'une rupture, puisque Mélanie s'est séparée de Karl. À l'origine, peut-être, mais c'est pas ma faute, parce que vraiment, j'ai rien fait pour qu'il se passe quelque chose. Parce que honnêtement, si j'avais voulu, il serait se passé un truc avec Karl. Clairement. Et t'aurait aimé Oh, pas du tout, c'est pas mon style. Oh bon! Bah il est beau gosse comme, comme tout le monde peut le ouais, penser. Il est sexy quand même. Oui mais c'est quand même mieux que ton Raphaël Pépin. Oui non mais moi j'aime bien les mecs les mecs quoi les machos et Karl il est trop gentil c'est pas mon style mais vraiment. Ah. Ouais c'est un Canadien quoi. Ouais, non, trop gentil, ouais. Il construit sa petite cabane, et voilà, qui est, euh, ma foi, pas assez bad boy. un petit caribou, là, c'est pas très clair. Oh, j'ai <laughs> Bon, ben, bah, c'est vrai que, voilà, beaucoup d'histoires avec toutes les filles. Euh, ça a été euh, assez loin. Elles t'ont toutes, euh, voilà, euh, ma foi, euh, critiquées pendant l'aventure. Est-ce que tu as ressenti ce phénomène de mouton qui est tant dénoncé par les internautes euh, Ce groupe comme ça qui s'en prend au nouveau. Est-ce que cette année encore, on peut parler, selon toi de mouton, est-ce que tu l'as ressenti C'est vrai qu'on parle d'harcèlement moral à l'école, mais si les jeunes regardent les anges, je comprends pourquoi ils le font. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, voilà, de groupes, de clans, on s'acharne sur une personne. Moi, je trouve ça un peu facile. Bon, c'est la première fois que je le vis, donc maintenant je sais ce que c'est. Mais franchement, c'est vraiment pas cool parce qu'on parce qu le vit très très mal et c'est la première année en trois saisons où je l'ai vraiment aussi mal vécu. quoi Toutes les filles sont tombées sur ma gueule. Enfin, moi, je savais pas de, de, de quel côté ça m'arrivait. Ça m'arrivait dans tous les sens. H24, c'était vraiment compliqué. Moi, je suis venue juste pour l'hymne. Je sais pas si c'était pour faire des histoires, mais pour pour exister à l'écran, mais en tout cas, ils ont bien existé à travers moi pour le coup. Alors ouais, elles ont essayé de te faire passer, on va dire les mots clairement, pour une salope. Hein. Euh, Est-ce que tu t'es remise en question Est-ce que tu t'es dit à un moment donné peut-être que oui, j'allume les mecs, ou peut-être que je suis trop dans la séduction Est-ce que ça t'a fait prendre conscience d'un comportement peut-être un petit peu abusif Bah pas du tout, parce que moi, je, je sais ce que je suis. Mes amis euh, savent qui je suis, ma famille aussi, et je pense que je suis pas une allumeuse. Je suis une fille bien. Euh, je pense que dans la je, je suis une des celles qui s'est peut-être le moins tapée de mec. Et euh... Euh... Oh, c'est quand même. Il y en a quand même eu pas mal. Il bah, y en a eu trois. Ah bon, qui bah, euh, Raphaël, Vincent et Guillaume. Jordan Ah, j'avais oublié Guillaume. Oui, ouais, mais bah, et voilà. C'était les, les trois seuls, tu vois. Donc euh, au final, euh, fin, puis quand j'ai eu une histoire, j'ai eu une vraie histoire, j'ai pas eu de plan cul, quoi. J'ai eu des histoires posées. Enfin, tu vois, à ce moment-là, toutes les autres. Euh... Un truc de fou, quoi, à côté. Quand je me fais juger par des filles comme ça, en même temps, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que moi, vraiment, j'en ai fait vraiment pas beaucoup par rapport à certaines. Donc, ça me fait bien rire. Et puis, chacun balai midi à sa porte, et puis on verra. Oh, chérie euh, Alors, si tu as été au cœur de nombreux problèmes euh, avec donc Carl, Thomas, euh, Vincent, Raphaël, euh, ça n'était pas fini, puisque par la suite. Tu as quand même fait le coup de pute ultime. Euh, tu t'es donc tapé Jordan, hein, le mec de Mila, qui pourtant, Mila, hein, était ton ange préféré, comme tu l'avais déclaré. Alors, mon ange préféré, je l'ai dit dans le Man-Mag avant de la connaître. Et euh, du coup, quand on m'a posé la question, je l'ai dit le premier ou deuxième jour. Mais quand j'ai appris à la connaître, après, c'était pas du tout mon ange préféré. Là. Ah bon Ah oh, non, pas du tout. On est les extrêmes opposés, quoi. C'est un truc de fou. C'est. Je peux pas m'entendre avec une fille comme ça, c'est pas possible. Alors pourquoi Qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est vrai que cette année, beaucoup de gens dénoncent le comportement de Mila. Il y a un retournement de situation, le public la soutient beaucoup moins qu'avant. Euh, toi qui as vécu avec Mila, euh, pourquoi ça n'a pas collé Quel était son comportement Est-ce que c'est vrai qu'elle était invivable c'est pas qu'elle était un vivable, mais voilà après je pense que bah, elle a fait plusieurs télé-réalités, donc je pense qu'elle a ses exigences et puis euh, et puis enfin, moi je trouvais que c'était trop trop préparé enfin tu vois moi quand je suis à la télé je suis comme je suis comme en vrai tu vois je suis la même Que milas y a eu il y a une différence entre un off et un in c'est limite action, euh, hop là on tourne et puis après il y a la séquence. Et puis une fois que la séquence est finie, il euh, y a une autre Mila et, euh, et je pense que les gens le ressentent. Moi elle m'en a voulu, Mila, clairement par rapport à Jordan avant même qu'il se passe quelque chose avec Jordan. Sauf que moi, Mila c'était pas ma copine en arrivant, je la connaissais pas donc j'ai pas de compte à lui rendre. À la limite, oh. lui dire bon, écoute euh, avec Jordan il se passe quelque chose, tu seras la première au courant, je peux pas faire mieux. Si c'était mon amie avant de rentrer dans la villa, bien sûr que j'aurais même pas touché à Jordan, mais là je la connaissais pas et Jordan c'était quelqu'un qui a été là pour moi et pas elle. Ouais, voilà! <laughs> Tout à fait! Alors, euh, bah, c'est vrai que pour le coup, Mila a été la dernière au courant, puisque je crois savoir que ce couple, d'abord, est né en off, c'est-à-dire hors caméra. Ah non, il est né en caméra, mais caché des autres, c'est pas pareil. Ah bon? Ouais. Jordan a préféré le cacher aux autres pour pas me rajouter des problèmes par-dessus. Mila, elle m'en a beaucoup voulu par rapport à Jordan alors qu'elle l'a clairement pris pour un con, elle l'a largué deux fois, à un moment donné, stop, tourne la page. Si t'apprécies vraiment quelqu'un à ce moment-là, sois content de son bonheur et s'il est content avec moi, ben bah, alors laisse-le tranquille, tu vois. Après, à un moment donné, c'est toujours les, les filles qui passent pour des salopes et des filles faciles alors qu'à un moment donné, un mec, c'est un donjon. Non, stop, faut arrêter, à un moment donné, stop. Oui, c'est vrai que Jordan n'était, euh, ma foi, pas insensible. Il a aussi fait pas mal hein, de démarches envers toi. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui Pourquoi tu t'es tournée vers lui Ce qui m'a plu chez Jordan, c'est qu'il était rassurant, protecteur. Il m'a défendu, il m'a rassuré, il m'a consolé. En fait, il a été là pour moi. Il a eu les mots qui m'ont touchée à ce moment-là. Et je me suis dit, ben c'est un mec pour moi, en fait. Vous avez couché ensemble Pas du tout. Ah bon Je te jure sur la vie de ma sœur et la vie de ma mère. Ah ouais, rien du tout! Rien du tout. Il bon, faut dire que ce couple a été très rapide. Hein. C'est ça, ça a été très rapide. Et puis quand Mila l'a appris, le jour où c'est devenu officiel pour tout le monde, euh, ça a été terminé. Jordan a clairement, euh, clairement retourné dans les bras de Mila. Enfin, pas officiellement, mais il était jaloux, donc du coup, il a stop... enfin, j'ai stoppé la relation parce qu'il était jaloux. Donc c'est toi qui as cassé euh, pour euh, quelle raison? Parce que tu sentais qu'il était encore accro à Mila? J'ai rompu avec Jordan parce que je voyais clairement qu'il était encore accro à Mila et que voilà, depuis le jour où Mila s'est rapprochée de Julien, il était distant avec moi et ça m'a saoulé. Puisqu'on parle de Mila et donc de Jordan qui lui a été volé, on va parler également de Julien Berthe. Mm -hmm. <rire> <rire> Ouh, tu t'y attendais pas à celle-là Clairement, hein, moi j'ai vu euh, les textos, il était dégoûté euh, que tu n'arrives pas en même temps que lui dans La Villa des Décorisée, donc le tournage hein, sur lequel il est actuellement. Et il t'a confié d'autres choses qui, à mon avis, vont agacer Mila. <laughs> Non, mais bah après, oui, c'est vrai qu'il était dégoûté que je vienne pas sur la villa. Euh, maintenant, euh, voilà, il était. Euh, quand je, il est arrivé dans les anges, il pensait que j'étais célibataire et quand il a su que j'étais avec Jordan, il s'est rabattu sur Mila. Donc Mila était un second choix Apparemment, oui. Oh, putain, ça va faire mal. Déjà qu'il l'a euh, pas mal critiqué sur des textos que j'ai diffusés. Mais alors là, d'apprendre ça. Ah oui. Non, mais toi tu fous la merde à chaque fois dans les couples hein. Oui, mais tu remarques c'est pas ma faute. J'en peux rien si j'ai du succès après il faut que je trie hein, mais euh, je voilà, je vais pas mettre un sac à de poubelle sur la tête pour pouvoir moins plaire. <laughs> je... ouais, non, <laughs> ça serait effectivement embêtant hein. Oh. Et Julien ça aurait pu être ta cam Hum, mmh, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai pas du... du coup je n'ai pas j'ai pas appris à le connaître parce qu'il était en couple donc j'ai pas j'ai pas cherché à creuser. Mais euh, après, je sais pas, vraiment, je sais pas. Vous auriez dû être ensemble, hein, d'ailleurs, sur la Villa des Cœurs Brisés. Donc, il est temps, d'ailleurs, d'officialiser le truc. Tu ne feras pas la Villa des Cœurs Brisés, puisque ton contrat avec la production des anges te l'interdit. Il y a beaucoup de problèmes de contrat cette année. Euh, du coup, tu as annulé. Euh... Bah, tu as été forcée, d'ailleurs, à ne pas participer à la Villa. Pourquoi J'ai été forcée, parce que j'avais un contrat qui m'interdisait d'aller voir une autre téléréalité. Et pourtant tu avais signé pour la Villa des Cœurs Brisés. Oui, mais j'avais un contrat en amont qui m'interdisait de, 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 de signer un autre pour un autre programme. Donc du coup j'ai dû annuler. Ah, donc tu as décidé d'obéir. Bah oui, parce que je suis gentille. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. <laughs> donc on va te retrouver dans les Anges. Ah ça, on verra. Bah euh, oui, évidemment. Si tu ne fais pas la Villa, c'est bien que tu vas refaire les Anges. Mmh, mais je te dis pas. C'est confidentiel. Ça sert à rien de me le dire. Tu me l'as dit avant l'interview. Merci. loin Et tu es toujours copine avec Shanna. Oui, bah, j'ai eu un WhatsApp tout à l'heure de Shana. On est vraiment super copines. C'est vraiment une belle amitié. On se contacte très régulièrement. On s'est vus à Miami quand j'ai fait les Anges Neufs, elle était là. Donc on s'est vu. Et puis après, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'apprécie. On, on se donne des nouvelles. On, elle me demande des conseils. Je lui en demande aussi. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour moi. Et, euh, et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, que j'espère qu'on qu se reverra sur le long terme. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant euh, Je me doute que voilà la télé-réalité, ça y est, c'est reparti, tu es au cœur de nombreux problèmes. Comme je l'ai dit, tu seras donc dans les vacances des anges, tu vas donc croiser Coralie. Euh, Est-ce que tu appréhendes un jour d'avoir une discussion avec Coralie Parce que ça va arriver très vite. Si, il doit y avoir discussion, j'appréhende forcément, mais peut-être qu'il n'y arrivera pas, je sais pas. Si... <laughs> Non mais ça sert à nous prendre pour des cons, on le sait tous, cinq seras. Non mais si doit y avoir une discussion, il y en aura. Après moi j'ai rien, j'ai rien contre Coralie et je pense que, j'espère qu'elle a rien contre moi non plus. Écoute on verra. Je moi je viens, je prends les choses comme ça vient et puis inshallah comme on dit. Tu es rebeu Non non pas du tout. D'origine espagnole cubaine. Oh mon dieu! Tu as chanté d'ailleurs dans Les Anges devant chez Marmour. Oula, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me, elle me jette mon rose. Chez Marmour, ça devait être quand même une expérience euh, assez enrichissante. C'était un truc de ouf. Hein. Franchement, c'était euh, surréaliste. Quoi. Je, je, quand j'ai chanté devant lui et qu'il s'est levé pour danser avec moi, j'y croyais pas du tout. Quoi. Et je me suis dit, bah, vas-y, vas-y à fond. Euh, ça m'a fait penser un peu à Henrik vois Je me suis dit, bon, bah, Gohan, vas-y, donne tout et puis on verra. Donne tout. Il plaisait <laughs> celui-là ou pas? Mais non, donne tout vocalement. Oui, tout non, mais ce qui te plaisait. Après, c'est un très beau garçon. Chez Marmont, moi, je suis absolument fan d'Esprit Criminel, d'Eric Morgan Enfin, qui n'est pas à fond sur lui, quoi. Il est magnifique. Ouais, bah Esprit criminel, c'est un petit peu euh, ce qui va se passer prochainement hein, quand tu seras confronté à Coralie. Bonne chance. Euh, cette interview s'arrête ici. Euh, Barbara, ma foi, va vivre d'autres aventures très prochainement. Euh, merci pour cette interview. Je pense qu'on a fait euh, le point euh, sur tout. Et puis, ma foi, euh, j'ai envie de te dire à très vite pour euh, de nouvelles euh, choses, de nouveaux rebondissements. Tout à fait. Et merci à toi. Et puis, j'espère de faire euh, bientôt le bain à nouveau. Ouh, pour régler encore de nouveaux comptes. Il y en aura sûrement à régler, je pense. Ouais, je me doute. Bon, bah écoute, gros bisous et puis à très vite. À très vite, bisous.